Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est l'épisode, je ne sais plus combien, l'épisode 6 de notre aventure solo sur le mode Horde de Seven Days to Die. Je suis donc tout seul. Oh merde. Merde, je suis bloqué. Ah! Oh, je vais mourir à cause de ça. Oh putain. Non! Non! Oh la connerie, à cause de ce bug en fait. Ah merde. Bon. On respawn, on va essayer de récupérer nos objets perdus. Oh putain. C'est trop loin. Voilà. Ouh là là. C'était tordu du slibard. Ok. Alors, on a récupéré ce qu'il nous fallait. Un certain nombre de zombies sont morts grâce à nos chers pics de défense. Voilà, lui il est con, hein. Qu'est-ce qu'il est con? Il meurt à la chaîne. En fait, je crois que j'ai construit l'abri ultime. C'est tout simplement ça, en fait. C'est beaucoup trop facile. Ah, Spider Zombie. Qui est mort? Qui est mort? J'y arrive pas, hein. J'arrive pas à leur tirer dessus. C'est un peu trop dur pour moi. Le shotgun. Voilà. Un petit peu d'action. Oh putain! Désolé. C'était. Ah! C'était un petit peu vulgaire, je sais. Mais ce bug me saoule en fait. Au plus haut point. Alors, y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut goûter de mon shotgun? Oui. Et bim! Et bim! Voilà. Ok. C'est très bien en plus avec leur spawning là, c'est génial. Ah! À mort! À mort! Ouh! M'a fait peur! Oh, putain, merde! Comment il s'appelle le mec qui crache. Oh! Qui crache de l'acide, putain, il est où? Ah, il est là, putain, ce con! Oh non! Vite, 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 respawn! J'aurais dû me faire plus de. J'aurais dû mettre plus de pierres dans mon abri, vite! Vite, vite, vite! Il est en train de tout défoncer, là! Mes armes! Recharge, vite! Il est où? Va! Oh purée! Ok. J'aurais jamais dû dire que le mode était trop facile. Et j'ai plus de points de spawn, il faut pas que je meure. Oh, oh là là! J'ai vu ma vie dépasser devant mes yeux là. Oh!
Heureusement que j'ai posé le point de spawn. Le problème, c'est que j'ai un zombie juste à mon point de spawn. Ça va être compliqué. Je suis tombé. Je suis encore tombé. Oh, c'est la merde. Oh, cette tendue du slip. Je crois que je suis mort déjà 4 fois là, non? Je crois. Ça fait peur. Le tout en fait, c'est vraiment de reposer le plus vite possible le point de spawn une fois qu'on meurt quand on est tué par un Hulk. Ok, ouf, on a tellement perdu dans cet assaut. C'est chaud. Elle est où cette conne de... De guêpe, je la vois plus. Ok, suis-je tranquille pour la fin de la nuit? Je l'espère. Et on va vite devoir en fait refaire l'abri. Oh putain. Voilà, décès de nos atroces souffrances. Ok, on va récupérer le point de spawn. Voilà. Et le remettre en haut. Voilà. Ok. C'est tendu du slip. Wouah. Là, ça n'a pas fait long feu, hein, l'air de rien, toute cette histoire. Du coup. Ok. 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 J'ai plus grand-chose. Hein. J'ai plus grand-chose. Ça. Du coup, voilà ce qu'on va faire. Voilà, faire les piliers au moins en stone. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter pour l'épisode 6 de notre aventure, j'allais dire coop, mais non, mode horde en solo. Oh putain, sur 7 Days to Die. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et me dire ce que vous en avez pensé. On se donne rendez-vous très bientôt pour du 7 Days to Die, que ça soit en coop ou en mode horde. J'espère quand même qu'on pourra revoir rapidement l'ami, mamie l'ami, tout simplement. Et puis moi, je vous donne rendez-vous donc très bientôt pour d'autres vidéos. Salut à tous!